Ça, c'est ma demi-sœur, et aujourd'hui, je vais troller un enfant de 8 ans avec. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car elle est vraiment incroyable. Allez, bon visionnage. Oh, il y a l'enfant le plus mignon de Fortnite qui est en train de m'inviter. C'est parti, je vais le rejoindre, car aujourd'hui, j'ai trop envie de le troller. Coucou, mon pote Théo. Coucou, ça va? Ça va, et toi? Ouais, moi, ça va très bien. Ok, ok, super. Ça te dirait ou pas qu'on joue à deux? Oui, vas-y, je suis chaud. Ok, bah nickel, mets-toi prêt. Par contre, Théo, je te préviens, il y a ma demi-sœur qui est arrivée chez moi hier soir, et depuis, elle fait que jouer sur mon PC à Fortnite. Donc, si d'un coup, t'entends plus ma voix, mais t'entends une voix féminine, c'est ma demi-sœur, ok? Vas-y, ça marche. Et maintenant, mets-toi prêt. Voilà, mon pote, c'est bon. Allez, let's go. Les potes, là, je me suis mute. Et vous êtes pas prêts comment je vais troller à fond cet enfant de 8 ans. Vous allez vraiment être choqués du début jusqu'à la fin. Là, il pense vraiment qu'il va jouer avec la demi-sœur de Spugo, alors qu'en vrai, ça sera moi. Ok, on est actuellement dans le bus de combat. On va commencer tout doucement. Salut. Salut. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui. On va lui demander maintenant, il veut aller où? Tu veux aller où? Ici. Ok. T'es vraiment la demi-sœur de Spugo? Regardez les potes comment ils parlent tout timidement, c'est trop mignon. On va commencer déjà un peu à le draguer en disant... Oui, mon chat. Ah. Oh, je suis mort, il a dit ah quand il a entendu oui, mon chat. Allez, je vais faire un kill. On fait pas des kills en filles, nous. Mort. Bien joué. Oh, je lui ai dit que j'avais fait un kill, il m'a dit bien joué. On va lui poser une petite question. Tu viens d'où? De Falampin. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me dire son adresse. Et toi, sinon, t'habites où? On lui répond... Paris. Et sinon, je me demande un truc, tu t'appelles comment? Les gars, ça c'est un peu imprévu. Je sais pas. Je sais pas comment tu t'appelles? Oui. Ah bah d'accord. Je suis trop chaude pour le top 1. Moi aussi. Ah, ça c'est parfait les gars, parce que si on fait top 1 en demi-sœur avec cet enfant de 8 ans, ce serait incroyable. Hein. Mais bon, l'objectif principal, c'est pas de faire top 1, mais c'est de le troller à la mort. On va lui poser une petite question. Tu joues depuis quelle saison? Je sais plus, mais j'ai un skin rare. Et qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi le rapport? Allez, on va faire un kill. Mort. Bien joué. Mort. Bien joué. Merci BG. On fait déjà 3 kills. Eh ouais, j'ai fait 3 kills et lui, il en a fait seulement 1. Pour la peine. T'es nul. Pourquoi tu dis que je suis nul? T'inquiète. On va commencer par un peu le draguer. T'es mignon en vrai. Moi, j'ai déjà une amoureuse. Mais pourquoi il dit ça? J'ai rien fait. T'es grrr. Toi aussi, t'es grrr. Oh là là, mais il est fou. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, on est mort! Vas-y, on relance une game. Ok. En vrai, les potes, pour une première game en tant que demi-sœur de Supugo, ça se passe super bien. Mais là, par contre, pour la deuxième game, on va le draguer à la mort sans s'arrêter, ça va être une dinguerie. Là, on est parti pour la deuxième game et je vais commencer à lui poser une question très intéressante. Par contre, je pense qu'il va vraiment être choqué de ma réponse. T'as quel âge? J'ai 8 ans et toi? Oh là là, il va pas me croire. J'ai 17 ans. D'accord. T'es trop beau. Non, j'ai déjà une amoureuse, je l'ai déjà dit. Les potes, il m'a encore recal. H24, il dit qu'il a déjà une amoureuse. Cet enfant ose vraiment recal la demi-sœur de Supugo. On va lui dire... T'es méchant. Pourquoi? Et là, on va lui répondre... Je t'aime. Moi, non. Oh là là, mais allez, s'il te plaît, arrête de me recal. Je vais tenter une nouvelle phrase et là, vous inquiétez pas, il va pas me recaler. Ta gueule. Quoi? Ta gueule. Il va péter un câble. C'est pas gentil de dire ça à un enfant de 8 ans. Allez, on va se faire pardonner. T'es trop beau. T'as même pas encore vu ma tête. J'ai réfléchi maintenant, j'aime plus mon amoureuse. Oh, ça c'est une super nouvelle pour moi. Pourquoi? Parce que toi t'as une trop belle voix, sur mon amoureuse, non. Quoi, mais il lui arrive quoi à cet enfant de 8 ans? Au début il faisait que me recaler et maintenant ça y est, il commence à me draguer. Oh non, il est mort. On va lui dire une dinguerie. T'es gourmand? Oui. Mais pourquoi il dit oui? Il est fou. Oui, je suis gourmand. Moi aussi. Cool. Il a dit cool, oh là 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 là. Tu viens? Oui, mon chat. J'ai la carte du coffre. GG. Comme là, cet enfant fou, il est plus du tout en train de me recaler. On va lui dire un truc sérieux. Je cherche un mec. Bah tiens, vu que moi, j'ai quitté ma meuf, moi, je cherchais une meuf. Quoi? Les gars, je rêve où il y a 10 minutes, il a dit qu'il avait une amoureuse. Et maintenant, il dit qu'il l'a quittée pour moi? Moi, je suis célibataire. Moi aussi, je suis célibataire. Ender, normal, il a quitté sa copine il y a 5 minutes alors qu'elle est même pas au courant. On va lui redire. T'es mignon, en vrai. Merci, toi aussi. Maintenant, on va lui dire le message fatidique. Je t'aime. Moi aussi. Let's go, mission réussie! Restez bien jusqu'à la fin, les potes, hein, car quand je vais lui avouer que depuis le début, c'est Supugo qui le troll avec un modificateur de voix, je pense qu'il va totalement être choqué. Allez, on va continuer de le draguer. Moi, je fréquente des hommes riches. Bah tiens, moi, je suis riche, j'ai 300 euros. Bah, c'est parfait, ça! Incroyable! On va lui donner mon numéro de téléphone, il va péter un câble. Tiens, mon numéro 06 24 54 22 37. Regardez, il bouge plus, il est choqué. Attends, répète. Pas de soucis. 06 24 54 22 37.
Moins vite, s'il te plaît. Les potes, il est vraiment en train de noter mon numéro. Ton numéro, c'est 06 24 54 27, c'est ça? Oui, mon chat. Tu veux que je t'appelle pour voir si c'est bien ça? Oh là 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 là, on va dire non direct. Non. Si on fait au pain, j'essaye. Oh, super, ça j'aime beaucoup. Maintenant, on va faire autre chose. On va lui donner mon snap. Mon snap, c'est léa.062. Vas-y, attends, je vais écrire. Oh là là, on est vraiment en train de le rendre fou, cet enfant. C'est léa.62, c'est ça? Oui. D'accord, je vais t'ajouter tout de suite. Incroyable. Par contre, mon pote, là, il y a la tempête qui arrive. Dépêche-toi. Merci de m'avoir donné ton numéro et ton snap, je t'ai ajouté. De rien, bébou. Et en plus, je suis mort. Oh non, j'avais pas vu. Allez, je vais l'engueuler. T'es nul. T'es pas gentil. Oh non. Mais aussi, ils étaient deux, c'est un peu logique. Léa, si tu fais ton pain, sur snap, je t'envoie ma tête. Quoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit? À ce qui paraît, si je fais top 1, cet enfant m'envoie sa tête sur Snap, mais il est fou! Je vais lui répondre direct! Ok. Je peux voir comment t'édites? Ok, on va lui montrer maintenant. Bah, ton frère, il édite plus rapide. Ça, c'est normal, hein. Parce Super joueur, quoi. Je dirais qu'il a une macro. Quoi? Il a insinué Super Hugo de tricher, mais il est fou! Je suis trop chaude pour le top 1. Comme ça, tu pourras avoir ma tête. C'est exact! Oui, mon chat. T'es trop. Quoi? Il a encore dit que j'étais grrr! Allez, on va lui répondre direct. T'es grrr. Toi aussi, t'es grrr. Ah, ça me fait trop rire comment il le fait. Si tu fais ton pas aussi, tu montes ta tête aussi? Bien sûr que oui. Oh, c'est trop bien. Ah, là, tu m'étonnes qu'il est content. Les potes, j'avais même pas remarqué, je suis actuellement en top 4. Je suis en 1v1, v2, ils sont devant moi. Oh là là là, méga tête, je suis en 1v1. Léa? Oui, mon chat. Si tu fais ton pas, je te donne mon numéro de téléphone aussi. Quoi, mais il est fou? Ok. Allez, let's go les gars, on va trahir le top 1. Allez Léa, fais ton pas. Oh, il m'encourage, c'est trop mignon. Ok, touché. Nope. Let's go top 1. Je l'ai éclaté. Bien joué Léa. Merci BG. De rien. On retourne au salon pour que je t'envoie tout ça. Pas de soucis, on va lui dire oui. Oui. Ok là les potes, on est de retour au lobby et c'est parti pour tout lui avouer. Allô Léa. Ouais frérot, désolé, ma demi-sœur Léa, elle est partie en bas faire la cuisine. Tu sais qu'elle est vraiment trop gentille. Ah ouais, pourquoi? Vous avez fait quoi? Vous avez joué à deux et tout? Vous avez parlé de quoi? Bah en fait, elle me draguait. Non, je te crois pas, tu mens. Bah vas-y, demande-lui. Elle est en bas là, la flemme. Et toi, tu l'as draguée? Je suis rentrée dans son jeu. Ouais, c'est ça. Bah moi mon pote, j'ai un petit truc à t'avouer. Vas-y, dis. Depuis le début, je t'ai trollé, j'avais un modificateur de voix. Léa, c'est moi et j'ai aucune demi-sœur. Oh non, je me suis fait avoir par toi. Ouais mon pote, c'est exact. Je t'ai donné un faux numéro et un faux snap. Je déteste Supugo à cause de toi, j'ai perdu mon amoureuse. Bye. Oh là là, et voilà, Théo a quitté le groupe. C'est pas possible, à chaque fois que je le troll, il réagit toujours de la même manière. En tout cas, let's go les potes, le troll est validé à 100%. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et n'oublie pas de vous abonner et de liker. Ciao.